Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de jazzifier un peu notre vocabulaire en la mineur. Donc avant de vous expliquer quelques petits points techniques sur cette mélodie, on va voir si on peut l'utiliser en contexte sur un backing track, parce que je vous connais, vous allez me dire « Non, ça sert à quoi ce truc-là, tout ça ?» Donc allez, je vous montre qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel backing track en la mineur. J'ai pris le plus connu. Celui qui a plus de 7 millions de vues là, de Sébastien Zunino. Donc je vous montre ça et après je vous donne quelques détails. Ce que ça donne, donc il y a quelques passages qui sont vraiment difficiles d'un point de vue technique. Donc pour le contexte, on est vraiment dans un la mineur harmonique avec quelques chromatismes un peu tantôt jazzy, tantôt bluesy, ça dépend un peu. Donc vous l'avez reconnu, hein, c'est le thème de Camel Jazz dans le jeu sur Mega Drive qui est sorti en 92 ou 93, je sais plus trop, qui a été composé par Donald Griffin. Je vous mettrai également dans la description un podcast que j'ai trouvé avec deux énormes geeks de la musique de jeux vidéo et du jazz aussi. Si jamais vous êtes un peu motivé pour deep dive un peu, creuser un peu sur la genèse un peu de cette composition, quoi. Donc je vous montre vraiment les passages qui posent un peu problème. Il y a ce premier passage avec un saut d'octave. Donc là, moi j'ai fait un doigté avec l'annulaire, le majeur. Et après, je saute avec le majeur pour aller récupérer l'espèce d'ornementation là. Et d'ailleurs, je réattaque la dernière note. Hein. Ça, c'est pas facile. Hein. Parce qu'on part de cette phrase là. Ça c'était pour l'intro, pardon. Et après on va finir. Et là il y a encore une autre phrase. Magnifique d'ailleurs, hein, d'un point de vue mélodique. Et pareil, j'ai pris le même doigté parce qu'on a encore un saut d'octave. Ces deux phrases sont vraiment les deux passages qui m'ont demandé vraiment, vraiment beaucoup de pratique avant d'arriver à les faire, hein, sur
la démo que je vous ai fait, je ne sais pas si c'est parfait vraiment, mais en tout cas, c'est ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Et après, on va conclure. Ok, sur le... une phrase un peu bluesy, quoi, avec la blue note, quoi. C'est vraiment les deux seuls passages qui sont un peu compliqués. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais ouais, c'est ce que j'ai bossé un peu ces derniers temps. Et ça m'a donné des nouveaux doigtés, des nouvelles couleurs aussi dans mon jeu. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisserai bien sûr plein de trucs en description. Et puis encore merci à tous les abonnés parce que vous avez fait péter les scores sur la dernière vidéo. Trop cool. Donc on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu et n'hésitez pas à faire des suggestions si jamais vous en avez. Bon travail et à très bientôt. Ciao.